Donc, nous voilà dans l'atelier où j'ai mis la peinture de notre plein air. Alors, j'ai une référence photo en dessous. Et donc, je vais me baser sur les formes par rapport à ma référence photo. Attendez, je vais la décrocher, je vais vous montrer. Ici. J'ai ma référence photo sur la peinture que l'on a fait. Alors je vais me baser sur cette référence photo pour donc les formes, mais pas pour la couleur. Je vais pas comment dire pour la saturation. Eh bien je vais me baser sur les couleurs que j'ai ici, puisque celles-là sont les couleurs que l'on avait en plein air. Alors que sur la photo, c'est beaucoup plus saturé et les couleurs sont faussées. Donc voilà. Alors, ici, j'ai le blanc de titane. Ici, nous avons le jaune de Naples. Ici, nous avons un jaune cadmium léger. Pardonnez-moi. Ici, nous avons un bleu outre-mer. Ici, nous avons une terre de sienne brûlée et une terre d'ombre brûlée. Voilà, donc je vais me servir de cette terre d'ombre brûlée pour former mes ombres, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, c'est donc ma palette originale, vous la connaissez, pour ce type de peinture. Voilà. Donc voilà, allez, on y va. Je vais commencer par le ciel cette fois-ci. Et tout ce qu'on va faire, eh bien, on va repasser un petit peu ça et là pour en faire une peinture finie. Alors pour commencer, je vais prendre un petit peu de liquine originale. Donc tout ça, c'est rien de nouveau. Liquine originale ici. Liquine originale. Et je vais le passer sur la toile entière. Un petit peu. Très léger. Sur toute la toile pour la dépoussiérer et donc pour la comment dire pour la rendre pour la préparer, voilà, la dépoussiérer, la préparer pour notre peinture. Alors voilà, donc je vais prendre une brosse. Peu importe laquelle, ici j'ai donc Rosemary numéro 10. Donc, je prends un peu de mon. De mon médium et je viens le brosser. Je viens brosser donc ma toile partout. En me débarrassant donc des poussières, etc. Ça va aussi m'aider à rendre cette surface un petit peu, comment dire, tacky. Ça va donc coller un petit peu avec, et ça va permettre à la peinture d'adhérer un petit peu plus facilement. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc l'idéal maintenant, c'est d'attendre un petit peu pour que ça sèche très légèrement. Nous, on ne va pas attendre. Tout simplement parce que je sais que ça va aller sans attendre. Alors maintenant, on va commencer donc par le ciel, comme j'ai dit. Je vais utiliser donc une langue de chat. On va venir chercher donc du blanc, une pointe de bleu outre-mer,
Et on va bien sûr bien essayer de respecter ce qu'on a ici déjà. Voilà, et on va repasser partout où on a besoin de repasser, d'ajouter de la couleur. Des coups de pinceau. Donc sur ce niveau, hein, parce qu'après il faut foncer un tout petit peu là. C'est pareil, on va faire un peu sur les ouvertures. Voilà. Voilà. Donc là, d'un côté, eh bien, on va éclaircir un peu. D'un côté, eh bien, on va éclaircir un petit peu. Et on va y rajouter une tache, une pointe de jaune de Naples. Un petit peu plus de blanc. Un poil plus de jaune de Naples. Voilà. Plus de jaune de Naples et un petit peu plus de blanc. Voilà, là c'est mieux. Donc voilà, j'essaye de masquer eh bien, toutes les petits, comment, les couleurs rouges là qui nous viennent de notre fond.
En repassant donc la peinture tout le long et en respectant bien sûr ce que j'avais avant. Donc voilà. Donc le ciel, on va voir fini là. Je vais repartir sur les nuages tout à l'heure. Peut-être puisque j'ai cette couleur bleutée là, bleu mauve. On va peut-être se faire un petit gris là, que l'on peut mettre ici. Très léger, juste un petit peu de blanc, sinon. Voilà. Donc, n'ayez pas peur d'essuyer. Ok, voilà. Ok, mais je pense que là pour ça, ça suffit. Peut-être ici, on va juste ajouter un tout petit peu. Y toucher, je ne vais pas y toucher plus que ça. Ok. Donc voilà, le ciel là, il est terminé. Et on va passer, eh bien, à l'autre plan. Pour ce faire, il va falloir que je refasse ce verre là. Donc je vais mettre un bleu. Le verre là, il est assez foncé, donc je vais mettre une pointe de brun, donc pour neutraliser tout ça, vous avez trop de brun là dedans.
qu'on va reprendre du jaune pour le bleu. On y approche très bien là, un petit peu plus foncé. On va ajouter un poil de bleu. Et un poil de plus. Alors sur mon dessin, ici ça descend un peu plus. Hein. Donc je vais le faire. On va le descendre un peu plus comme ça. Et ici c'est pareil. On passe un petit peu plus à l'arrière. Et on est bien dans le, on reste bien dans le, comment dire, le, les couleurs froides, hein, le bleuté, et je vais pas trop toucher en bas, là, ici, pour avoir cette, cette démarcation entre les deux. Avec le pinceau essuyé, donc pratiquement pas de couleur, tout ce que je vais faire, c'est simplement tapoter ici, là, ou descendre un tout petit peu de cette couleur, mais très légèrement, pour quand même avoir cette, donc, cette démarcation, ici. Voilà, tout simplement. Ici, on va bleuter ça légèrement. Donc, pour ce faire, très légèrement. Hein. Donc pour ce faire, je vais aller dans la couleur là-haut. Et voilà. Ça, c'était, ça, c'est très bien. On va reprendre donc ce petit bout de montagne qui est qui vient derrière là, et puis on va prendre donc, reprendre ici très bien, ça nous éloigne bien donc ces montagnes. Peut-être rajouter un poil plus foncé au niveau du bleu là, juste pour le haut de la montagne. Alors je vais m'aider, voilà, juste pour le haut ici de la montagne. Et un poil de plus ici. Pour démarquer celle-ci avec celle du fond encore un peu plus. Voilà.
sur notre côté gauche, eh bien, on a une couleur un peu plus chaude. Donc, je vais prendre de ce mélange ici, que je vais ramener dans le bleu. Et on va travailler donc avec ça, ici. Voilà, on voit qu'on a la même... qu'on est dans le même, comment dire, qu'on est dans la même teinte que ce qu'on a déjà là. Donc c'est parfait. Je viens juste l'accentuer un peu, quoi. Voilà, parfait. Ok, très bien. Donc je vais foncer très légèrement ce côté-là. On a la lumière qui nous vient de la droite. Donc je vais très très légèrement foncer et réchauffer ce côté ici. Très léger. Donc on va prendre un peu de... toujours avec ma base ici. On va y mettre un poil de... terre de sienne brûlée. Une touche de bleu. On réchauffe avec un très peu de terre de sienne brûlée. Ce que ça donne, et juste par endroit ici on va foncer juste un petit peu. Voilà, pas plus que ça. Ensuite, on va venir dans les arbres à l'arrière, ici. Et on va donc reprendre cette couleur, ces couleurs. On va déjà aller mettre l'ombre. Donc, pour l'ombre, on va prendre un peu de bleu. Je vais venir me mettre en bas, là, en fait. Un peu de bleu. Donc, du bleu outre-mer. Et la terre de sienne. Légèrement terre de sienne brûlée. Voilà, ce qui nous donne un marron foncé un peu. Et avec ça, je vais ajouter un petit peu de terre d'ombre brûlée. Voilà. Maintenant, à partir d'ici, on va faire... on va rajouter un peu de jaune ici pour avoir une couleur un petit peu plus claire. Et un petit peu plus vert également. Parce que en fait ces ombres là. Et maintenant, on le rajoute ici. Voilà, ça va être une belle couleur. Donc ici, tout ça c'est en ombre. Il faut rajouter un petit peu plus de vert.
je vais rajouter du vert là. Voilà, ça c'est une couleur assez foncée. Et donc voilà, après je vais foncer un petit peu plus vers le bas et le côté gauche, et ça va presque vers la maison. Ok, voilà pour celui-ci. Voilà, les arbres lointains là sont un petit peu plus bleutés, un peu plus éloignés, un petit peu plus bleutés. Ah ok, là j'ai peut-être la bonne couleur. Ouais, on a la bonne couleur ici. Et un peu plus ombragé juste sur la toiture, là, aux alentours de la toiture. Je vais utiliser cette couleur pour ajouter quelques reflets ici. Délicat. Sur ces reflets, on va venir ici. Voilà, là on voit à travers, c'est un trou. On va revenir y mettre un petit peu de couleur de l'arrière-plan là, très légèrement par endroit. Ok, allez, ensuite quelques ombres ici.
Ensuite, on a un arbre là. Pareil. Très sombre du côté. De ce côté. Puis là, on va venir Hey, donc là, hop. Ok, pour cet arbre, ça suffit. Ici, je vais laisser la maison là pour l'instant. Ici, on va juste fignoler un petit peu. Ok. Alors, on va se consacrer un petit peu de temps à cet arbre là, ou alors qu'est-ce que je fais là, il y a la colline ici, on va faire la colline un peu là d'abord et départager après les arbres qu'on a ici. Alors pour la colline ici, donc c'est pareil, on va bleuter un petit peu ce vert, bleuter de blanc. Plus de blanc. C'est presque blanc. Foncer un petit poil toujours.
Voilà. Donc là, on va foncer maintenant ces arbres. Alors, on va reprendre un petit peu de ce bleu. Il y a pas mal d'arbres là. On va se refaire un vert ici. Donc, j'essaie de varier un petit peu, de pas trop foncer à certains endroits, parce que je veux garder ce que j'avais avant. Ok. Ok, donc on a un arbre ici aussi. Et curieusement, c'est pas curieusement, mais un arbre qui est bien, comment dire, illuminé de ce côté-là. Donc on va rajouter de ça. Pointe de blanc et on va donc illuminer cet arbre comme il se le doit. Voilà,
et on va venir refoncer ça et là. Ah oui, c'est très foncé ici. Ok, donc. Donc ici, on a donc, on voit un petit peu d'herbe à travers ici, d'herbe, de l'herbe, pardon. Ici également, certains endroits, bon, on va foncer ça un tout petit peu. C'est une herbe, bien bleutée là. Parce que ça c'est mieux. Voilà. On va retravailler sur des détails après. Là je veux quand même arriver à voir comment dire, à faire quelques trous là aussi. Que je retrouve cette couleur ici. Donc là après ce sont des, ça c'est des trous pour la montagne, après je vais mettre des trous blancs pour le haut. Ici les trous sont moins évidents parce qu'ils sont un peu plus de cette couleur de toute façon. Voilà, ici je voulais... je refasse une couleur sombre. Thank you.
ici et on refait un vert ici. Ouais, voilà. Et on vient prendre, mettre les deux. Je ne mélange pas trop. Donc vous avez vu, hein, je fais un foncé ici, un vert ici et je viens entre les deux pour avoir une bonne, comment dire. Une bonne variété, voilà. Allez, on va trouver les mots. Une bonne variété là dans les couleurs. Donc ici, tout ce côté qui est ombragé là. Ok. Ça va progresser par ici. Et je vais faire jaune vert ici. Pas mal de lumière pour bien avoir le contraste entre ces deux. Ok, donc
Ok, donc maintenant. Okay, so you see, on consomme ça, il y a un petit peu d'herbe par ici et par là. C'est plutôt du bosquet quoi. Petit bosquet ici, hop. Ici le cette base du tronc là ici est vraiment foncée là. Ça c'est la base du tronc là. C'est tellement foncé, on voit pas de, il n'y a pas de couleur. Néanmoins c'est le tronc, et donc ici on va rajouter, on va relever ça un peu.
et on va rajouter un peu de couleur foncée ou doit être voilà. Ok, bon, on va faire ça après, on va fignoler ça après, je veux dire, pour le moment, ok, allez, on va se concentrer sur celui-ci un peu.
love, darling. Yeah. I'm full of pain, darling. I can't really. I can't really stalk you, baby. You love me. Okay. Oh. Donc maintenant pour l'herbe ici, je vais prendre
un pinceau éventail et on va, alors attendez, je vais d'abord faire un petit mélange de couleurs là, ou je vais faire directement avec ça en fait. Voilà. Et puis on va commencer à simplement faire quelques au loin en variant les couleurs. En variant les couleurs, donc voilà. Et bien sûr, donc je m'occuperai de ça un petit peu plus tard. Je vais revenir ici pour simplement vous montrer. Comment on s'y prend en avançant. Ok, et en avançant, donc ici par exemple, je vais venir lever et tirer la peinture pour faire apparaître comme des
comme des brins d'herbe. Et on, bien sûr, on pense à changer de couleur. Donc voilà, simplement ça vous montre un petit peu comment dire, comment travailler sur l'herbe là. Là on va, je vais mettre un petit peu plus de jaune. Ici. Ok, voilà. Voilà, on voit bien un petit peu hein, l'herbe là maintenant. Et on viendra y mettre également un peu plus de, comment dire, de détails un peu plus tard. Donc là tout de suite je vais travailler sur cet arbre là un peu, ou peut-être on va commencer à faire les trous dans les arbres ici, les trous du ciel ici. Donc voilà, on va faire ça. Donc on va se faire une petite place ici, un petit peu de blanc. Un petit peu de blanc et une pointe de... une pointe de jaune de nappe. Si ça s'approche, et puis on va faire donc quelques trous. Donc la montagne elle passe ici, donc ici là on va commencer à faire quelques trous. Ici un trou de la montagne, donc ici allez on va commencer.
ça aère un petit peu le... Ça casse et ça aère un petit peu. Faire la même chose ici. Quelques trous par-ci par-là, hein, ça aère bien le, comme on a dit, voilà. Donc ensuite, on va rechercher la couleur des montagnes là. Pareil, même principe. Donc pour ça, je vais prendre un poil de bleu ici. Pointe de brun. Du blanc. Donc ici on est ok pour ce côté là donc on peut d'ores et déjà ajouter un petit peu de trous ici.
Ensuite, et ben ici on va faire le. Il y a un tronc ici avec quelques branches mortes. Mais je vais faire ça directement. Et je vais rajouter un tout petit peu de terre de sienne brûlée à ce gris. Et on va utiliser ça pour le tronc. Pour commencer, juste pour voir où on va. Et puis on le foncera. En fait, non, je vais le grisailler un peu plus que ça. Là, c'est trop brun. Là, je pense que on va commencer avec ça. Donc on a donc le tronc ici là, comme on voit. Ok. Ok, donc là on va y mettre une couleur un peu plus sombre d'un côté. Donc un peu plus sombre d'un côté, donc, bien sûr ça va être ce côté-ci.
Et OK. Donc il me faut un dernier petit contraste parce que là tout ça c'est trop clair. Alors, je veux quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc je vais prendre du foncé par ici. OK. Ici également, nous avons un tronc.
Ok, voilà. Maintenant, nous allons en rajouter un tout petit peu de verdure qui, bien sûr, était là à l'origine. Donc, on va pour cela. Okay. J'en profite pour renfoncer l'ombre un tout petit peu ici, par ici. Voilà, puis on va y mettre un petit peu de lumière, mais dans un petit moment. À l'arrière-plan, on a un petit bosquet entre les arbres là et cet arbre ici. Donc celui-là, on va se le faire un petit peu plus clair. Et alors, on veut bien une bonne lumière au-dessus, comme on voit sur la référence photo.
juste un peu sur le dessus là. Ici, il faut repeaufiner un petit peu le toit et donc
Ok, donc ce que je fais là, c'est je mets donc le feuillage au lointain ici. Je mets la lumière. Je mets la luminosité sur donc le sujet. Et pour ce faire ici, donc ce sujet lointain, eh bien je prends un pinceau plat et sur le coin du pinceau, je forme comme un petit triangle. Voilà, et je forme donc un feuillage. Ici, on va respecter sans solvant, sans rien du tout. Et juste ça et là. On forme le feuillage. Voilà. Et pour cet arbre-là, on en reste là. C'est encore éloigné, donc on ne voit pas énormément de détails. Thank you.